Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui en Morbihan sur la ficherie des sorciers à Louya, non loin de Ploërmel. On a prévu un super programme avec la découverte de ce beau petit étang aménagé et convivial, orienté sur la pêche de la carpe et des poissons blancs. On est vraiment heureux de partager cette journée avec Pauline Bellicourt, monitrice guide de pêche et membre de l'APPMA locale de la Blette Ploërmelaise, accompagnée de sa fille. Elles sont en train de préparer le matériel et amorcer le coup. On va les rejoindre sans plus attendre. Salut les filles! Bonjour, tu vas bien? Bien, et toi? Donc Pauline? Oui, Pauline et Liana, ma fille. Liana. Excellent. Je vois que Liana est en train de passer le fil dans les anneaux de sa canne. Oui, on finit de s'installer, nickel. Puis après on va se mettre en pêche. Merci de nous guider aujourd'hui là sur le site de la ficherie des sorciers, c'est chouette. On a météo avec nous en plus. Et bien avec plaisir, donc on va pêcher à la grande canne et en méthode feeder, donc tout ce qui est carpe. Ok. On va mettre du coup sur ton piquet ou sur ton siège et on va faire l'amorce. Les sondages et selon où tu pêches et selon. Là, je pêche à 9 mètres. Si je rallonge, par exemple, à 13 mètres ou 11 mètres, et, bah, du coup, j'ai déjà sondé. Les lignes, sont, en fait, elles sont déjà prêtes de hier. D'accord. Donc, j'ai déjà sondé. Les lignes, elles sont déjà... Elles sont déjà faites, en fait. Elles sont vraiment sur le coup, hein, parce que t'as pas... Mais il n'y a pas de bruit, donc en fait, enfin... Il n'y a pas de bruit, il n'y a personne qui marche. Sinon, c'est mort. Hein. Hop, et là, on place ses mains entre le strip. Ok. On place ses doigts entre l'élastique et on vient stripper. Tu vois, je tire dessus, pourquoi hein. Ouais. Ouais, c'est agréable de pêcher des poissons comme ça. Un beau poisson, hein? Ouais, carrément. C'est pas les gros poissons qu'on va toucher en carpe batterie, mais par contre, on en fait en quantité. Ouais. Et c'est ce qui est plaisant aussi dans ces techniques de pêche, en fait. Hop, elle est repartie. Toi, tu ramènes le poisson dans le filet. Ouais. Ouais. Bravo, Liana. C'est validé, tu peux remettre à l'eau. Bonjour. Salut. Ça va bien? Ouais, bien. Donc Pierre. Alors Thierry, trésorier de la PPMA, la Blette Ploërmelaise. Hein? Bonjour. Bonjour Pauline. Bonjour. Ça va? Ça va bien, merci. Bon, vous avez pris du poisson un petit peu ce matin? Ouais. Ouais. Ah, on s'est bien amusé, ouais. Carrément. Bon, c'est bien alors. Oui. Pauline nous a montré comment prendre du poisson à la grande canne. C'était super chouette. Bon, bah c'est bien. Oh. Je suis content pour vous. Ah ouais, vous avez un magnifique site là pour l'animation, pour prendre du poisson, c'est top, ouais. D'accord.
Bon, c'est bien. Bon, merci Thierry de nous accueillir sur ce beau plan d'eau là et poissonneux. Tu pourrais peut-être nous le présenter un petit peu. Donc ici, nous sommes à la ficherie des sorciers de Loya sur le territoire de Pleuhermel, aménagé entre la PPMA et la Fédération en partenariat. Donc cet aménagement a eu pour but de monter des pontons autour de l'étang. D'accord, donc ouais, on les comptait là, il y en a presque plus d'une vingtaine quoi. Il doit y avoir 20 ou 21 pontons je crois. Et ces pontons sont à réserver la veille du jour de pêche. Bon, il y a un numéro de téléphone qu'on peut trouver sur internet pour réserver sa place. Dans cette ficherie, on trouve principalement de la carpe, bien sûr, de la tanche, de la brème, gardon et quelques autres espèces de poissons blancs quoi. Ouais, ok. Ouais, bien diversifié et puis surtout en densité, quoi. C'est ça qui est chouette. Oui, oui, il y a une belle densité de carpes et de tanches. La réglementation, elle est vraiment adaptée au... La réglementation est adaptée au plan d'eau, oui. C'est une pêche no-kill, hein, avec hameçon sans ardillon, bien sûr. Les bourriches sont interdites et le tapis de réception est obligatoire. D'accord. Donc voilà les gros points de la réglementation. Pauline, cet après-midi, là, t'as changé de canne et de matériel. Oui, effectivement. Donc, j'ai rangé la grande canne et on a sorti du coup le méthode feeder et le pelé waggler. Ok. Donc là, avec une approche un peu différente. Au final, comme Liana a mis en place depuis ce matin. C'est chouette hein, de la voir être autonome comme ça, prendre du plaisir, faire ses montages, lancer, enfin c'est génial. Autonome, investi, et oui, elle a facilité d'apprendre. Après, c'est vrai qu'on passe aussi beaucoup de temps au bord de l'eau et sur un peu toutes les pêches. Tu donc, l'emmènes comme ça à chaque fois que tu vas à la pêche. Je l'emmène partout. Excellent. Et bon, elle aime bien ça. Donc c'est aussi un plaisir partagé de passer ces moments-là et c'est privilégié de passer ces moments-là avec elle. Ah, c'est beau à voir. C'était super moment de partage. Et alors, le site, il s'y prête vraiment à ces pêches-là. Là, pour l'occasion, on avait le droit là, de venir y pêcher, mais sinon, il faut prendre une carte. Oui, un supplément, en fait, par rapport à la carte de pêche. Donc, okay. C'est à prendre sur le site de la Fédération. C'est ça. Non, et puis, toutes les informations, je pense aussi, sont pour les pêcheurs qui voudraient venir s'y essayer, sont sur le site de la Fédération de pêche du Morbihan. Exactement, donc, et il y a le panneau à l'entrée aussi qui rappelle toutes les conditions. Mais merci en tout cas à toutes les deux pour cette belle journée sous le soleil. Merci pour votre accueil et pour tout ce partage et ces moments passés. C'était génial. Bah c'est top. Merci Liana. Et nous, on se retrouve pour la prochaine vidéo. À très vite sur Bretagne Pêche TV.